m'étais toujours dit qu'à la retraite, j'aimerais ça expérimenter ce domaine-là. Et puis, c'est que moi, j'aime bien les gens. Donc, je me disais, au lieu que j'aille à me déplacer pour rencontrer, pour voir du monde, ben ils vont venir chez moi. Alors, c'est ça. C'est la rencontre des gens. Puis les gens qui vont dans les gîtes, ben c'est rare que ce pas des personnes agréables. C'est tous des gens qui sont très sociables. Puis ils aiment... c'est ce qu'ils aiment, là. Pouvoir parler avec les propriétaires. Souvent même, ils me disent, ben venez déjeuner avec nous. mangez pas dans votre petit coin quand c'est les derniers déjeuners. Fait que, on fait vraiment des belles rencontres. Ouais. C'est vraiment le contact. Le contact avec les gens, ouais. C'est agréable, tu sais, de rencontrer ces gens-là, découvrir leurs intérêts à eux aussi, là. Parce qu'on est situé au bord du lac et donc on entend le bruit des vagues sur la grève. Et c'est ça, le bruit des vagues sur la grève, on appelle ça le clapotis. Mais moi, j'ai appelé ça les clapotis. J'ai 3 chambres que je peux offrir, dont 2 avec les salles de bain privées, 1 avec salle de bain partagée. Ensuite, ben aussi, ce qui est intéressant pour les clients, c'est qu'ils peuvent utiliser le service d'une cuisinette qui est complètement équipée. Ben, donc, ils peuvent faire le repas de lunch du midi ou même le repas du soir et s'installer dans la salle à manger à leur guise ou l'été sur le gazebo. Ils peuvent aussi l'été utiliser les services du barbecue. Pour les sports d'été, bien sûr qu'ils peuvent profiter du lac. Il y a le spa aussi. Dans le prix de la chambre, il y a toujours inclus qu'ils ont une session du spa qui est située à l'extérieur. Aussi, bien, l'été, les gens qui ont leur propre embarcation, bien, ils peuvent avoir une rampe de mise à l'eau privée, donc ils peuvent l'utiliser pour aller mettre leur embarcation à l'eau. Les gens sont bien surpris. Des fois, ils disent « Hey, vous êtes loin! » Mais une fois rendus, ils sont bien contents d'avoir fait le trajet puis de profiter de l'emplacement là, qui est vraiment un endroit qui est pour le calme, la tranquillité, avec la galerie aussi là, qui donne une vue sur le lac tout le long de la maison, bien... Ils ont des beaux couchers de soleil aussi le soir. Oui, les gens, des fois, il y en a qui viennent juste profiter du site, là, puis rester ici tranquille, lire, puis se reposer. Et je leur offre même ils peuvent passer la semaine, donc ils ont une bonne réduction. Je veux que les gens, si plus longtemps ils restent ici, bien plus longtemps ils découvrent notre région. Il dit, bon, où est-ce qu'on pourrait aller là, demain faire telle ou telle activité? Donc, ils en découvrent, ils prennent le temps de découvrir au lieu d'être ici juste une ou deux journées, puis après ça, partir dans une autre région. Et je trouve ça très avantageux. Téléco-Gecko, exclusif au câble.